Salut à tous! Bah écoutez, on se retrouve, ça y est, enfin! Enfin, le sans cesser tout fast a démarré. Alors, j'ai pas résisté à le foutre dans la blanche directement, sachant que le projet final, ça sera un autre châssis, mais renforcé. Donc là, allez, on se fait plaisir en priant pour que le châssis tienne. Donc on va juste faire le rodage. Là j'ai combien? J'ai 9 km. 9 km. Alors déjà, première remarque, ça fait plus de bruit. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plus de bruit. Au lâcher de gaz, les sont vraiment vénères. Vraiment, vraiment vénères. Ça bave, donc je suis riche. Franchement, j'ai juste plug and play le moteur. Le ressort moteur est différent. Ici, le lanceur est plus long. Le carbu, c'est le même. C'est exactement le même, sauf que je suis passé d'un gicleur principal de 170 à 185. Et j'ai peut-être l'impression que c'est trop gros. À confirmer, je vais faire 40 km et faire 2-3, peut-être pas les accels à fond, mais essayer de doser un peu la bête. Et puis ça sera tout bon. Le setup est identique au 70 Too Fast. La partie cycle est identique, lâche à ligne. J'ai repris le même variateur. J'en ai un 9, mais j'ai repris celui du 70. Alors vraiment, les seules choses qui changent, c'est le ressort moteur et encore ces deux ressorts rouges Doppler. Le KRM 90-100, qui est énorme, de derby. Une rotule en emmanchement 38 mm. Le DD réglé à 0,4 au lieu de 0,35. Et le GP 185 au lieu de 170. Voilà, bah écoutez, j'y retourne. Je vous emmène un petit peu avec moi au passage. Allez, go, go, go! Bah écoutez, je vous reprends. Comment dire, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Juste pour vous dire, petite comparaison, le 70, il est totalement largué. Totalement largué. Moi, j'affiche pas de vitesse sur ce coup-là. C'est mort. Mais à 70-75, ça lève dès qu'on touche le lanceur. C'est. Je sais pas comment vous dire. Avec le 70, avec la... parce que là je suis en 11 par 54. Avec le 70, ouais, sur les départs, on va dire. Ça... Oui, ok. Il faut pas trop se louper. Mais là, c'est un truc de porc. Donc pour le moment, je suis super satisfait. C'est le châssis d'origine, donc je vais pas bourriner. Là il y a un peu de vent, j'espère que ça va passer à la caméra. Bon, je blablate pas trop hein. On y retourne.
Ouais, ils font du bruit, hein. Donc, votre collègue, il l'a monté. Julien, te dire ? Oui. Ouais, il est en cours. Julien, il va le monter, le 100cc, là. Là, il est en vacances. Ouais. Lui aussi, c'est un ouf. Ouais, c'est un radia de 250 NSR, Honda, moto. Puis j'avais un petit peu peur que la transmission ça passe pas, mais franchement, avec la pouliche à ligne, il y a tout qui passe. La courroie de 17 en bandeau, elle a pas bronché. C'est un carbone combien ? C'est un 34. Oh, c'est le minimum. Hein. En général, plutôt 36-38 là-dessus. Mais il y a tout qui passe, il y a tout qui tient. Franchement, je suis content. Ouais. Elle fait quand même 70 kg la mémère. Ouais, il y a pas mal de choses dessus, quoi. Entre les batteries, les régulateurs, les sondes, le gros radiateur, le gros disque de frein, quoi. Il y a pas mal de rajouts. Du coup, elle a fini par peser un peu la coquine. Donc voilà. Oh bah c'est cool, vous me suivez sur YouTube ? Oui. Oh bah c'est cool, les gars. Bah vous la verrez rouler. Bah je vais faire une petite vidéo pour ce soir. Vous êtes dedans ? Ça vous dérange pas ? Non. Non ? Yes ? Ok. Et puis après, bah le moteur c'est juste comme ça, aujourd'hui comme ça. Puis après je remonte le 70 dedans. Puis j'attends un châssis plus adapté pour ce moteur là. Parce que franchement, il y a tellement de couples. Il y a tellement de couples que je vais finir par tout casser, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais ça frotte pas, ça va. Même dans les virages. Après, c'est pas une mob pour faire du circuit, hein, c'est une mob pour faire de rue, quoi. Tu vois, donc se pencher, c'est pas. Je suis pas un grand pilote, hein. On va dire. C'est pas... Non. Bon, ben voilà. Bon, ben les gars, on se voit sur YouTube, tranquille. Yes.